Le transport aérien ne se remet toujours pas de la crise sanitaire. Les résultats des compagnies aériennes sont en chute libre en 2020. Le chiffre d'affaires s'effondre de plus de 60%. Cette crise est dévastatrice et implacable, souligne Alexandre de Juniac, le patron de l'Association internationale du transport aérien. Le nombre de passagers transportés cette année est retombé au niveau de 2003 avec 1,8 milliard de voyageurs. Le secteur, qui prédisait en juin des pertes de 100 milliards de dollars, s'attend désormais à un manque à gagner de 157 milliards sur 2020 et 2021. Clé du redémarrage, la réouverture des frontières, la levée des mesures de quarantaine et surtout la mise en place de tests de dépistage systématiques en attendant la généralisation d'un vaccin. Après une paralysie quasi totale en avril, le trafic a repris doucement en juin dernier, surtout sur les marchés intérieurs. Mais il est à nouveau ralenti depuis septembre et la deuxième vague de Covid-19. Avec la pandémie, ce sont plus de 40 compagnies aériennes qui ont fait faillite. Air France continue à l'heure actuelle de perdre plus de 10 millions d'euros de cash par jour, selon sa directrice générale.